Colonel Bon sera au départ du quintet de mercredi sur les pommes de Cagnes-sur-Mer. Le cheval vient de jouer de malheur avec Pierre Vercruz dans un récent quintet. Exact, il était fortement gêné. Pourquoi il a fait la faute? Parce qu'il ne peut jamais être faute de mettre les doigts. Qu'est-ce qui vous incite à recourir face à une opposition plus relevée cette fois-ci? Bah, c'est vrai que c'est assez relevé. On est loin à Rigilo, mais on est sur place. Donc il n'y a pas de déplacement à faire. Et on le prépare éventuellement pour des courses à venir qui seront sûrement meilleures. Mais il n'est pas impossible de prendre un lot dans cette catégorie. Ouais, il a montré tout au long de l'année dernière et même cette année qu'il était l'un des meilleurs éléments de sa génération et même peut-être du Sud-Est. Oui, du Sud-Est, c'est vrai que c'est un très très bon cheval. Il a beaucoup de qualité, il tire énormément. Il est en droit de se racheter au moins pour figurer à l'arrivée. Vous pensez que les parieurs peuvent lui faire confiance pour être dans les 5?